What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et comme vous pouvez le voir, j'ai installé ma webcam. Mais oui, donc voilà, hein, on va se remettre en vidéo. C'est pas parce que je suis narcissique, je crois qu'on dit comme ça. C'est juste parce que voilà, j'ai une petite envie de filmer ma tête maintenant, hein. Ça fait longtemps d'ailleurs au passage. Et même les Breaking News, tu sais, comme ça je me lève, comme ça je dis Breaking News, ça me manque aussi. Donc on verra par la suite comment j'ai procédé parce que j'aime bien aussi mon gros micro avec normalement un son de qualité qui est bien meilleur que celui de ma caméra HD. Voilà. Bref, aujourd'hui donc je vais vous donner des petites infos. Oui, il y avait une mouche là qui est passée juste ici. Je sais pas si vous l'avez vu. J'habite pas à la campagne pourtant. Non, j'habite en ville, mais bon, la mouche, voilà, elle passe un peu là où elle veut et elle me casse les couilles. Hein, elle me casse vraiment les couilles qui est quelque part par là. Bref, aujourd'hui, ce que je vais faire en fait, c'est je vais vous donner vraiment des informations. C'est un peu une mise à jour, mais super super importante. Donc regardez entièrement cette vidéo là parce que je vais vraiment vous parler de choses super essentielles. En gros, il y a trois choses que je vais vous parler. Première chose, ça va être un concept que je vais créer pour aider des personnes qui ont un certain talent et qui n'ont pas en fait la capacité à accueillir encore de l'audience ou qui n'ont pas l'audience. Et la deuxième chose à propos de mes dons, parce que je vous en ai parlé, pour l'instant il n'y a rien eu au niveau de ma chaîne. Et la troisième chose à propos d'une petite pub d'un magazine. J'ai vraiment essayé de me dépêcher, comme ça vous serez en gros libéré, vous pourrez faire tout ça, enfin vous saurez, on va dire, toutes les informations au niveau de ma chaîne, les toutes dernières infos rapidement. Donc voilà, donc première chose, un nouveau concept que je crée sur ma chaîne, c'est le fait que je vais aider des gens qui ont un potentiel, qui ont le talent, qui travaillent beaucoup sur quelque chose qu'ils adorent, mais qui ne sont pas exploités encore. Et ça, malheureusement, ça le sera pour toujours, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est-à-dire que je vais aider des gens, par exemple une chanteuse ou un chanteur qui a, voilà, qui ont les capacités, tout ça, mais qui ne sont pas exploités, c'est à dire qui n'ont pas d'audience et qui essaient de démarrer mais qui n'arrivent pas. Et d'ailleurs c'est la plupart du temps, c'est comme ça. Mais voilà, donc moi si vous voulez, avec ma chaîne je vais essayer de les aider à se développer, voire à donner un contrat, contrat Google, enfin en gros un contrat, enfin un partenariat YouTube plutôt, c'est pas un contrat Google, c'est pas Google AdSense, c'est un partenariat YouTube à laquelle voilà après ils peuvent se développer et après devenir indépendants, c'est à dire voilà ils vont pas en gros je vais les aider tout ça gratuitement, c'est à dire que je demande rien en échange et je vous le dis tout de suite. Et c'est ce que j'ai dit parce que pour l'instant je travaillais avec une personne qui est une chanteuse et je lui ai dit c'est gratuitement, c'est à dire que même si je t'offre un contrat et que tu gagneras beaucoup d'argent avec plus tard, tant mieux pour toi, mais je veux aucune de tes aucun pourcentage. Voilà, par exemple ça c'est un exemple que je vous donne pour vous dire comme quoi je le fais gratuitement, il n'y a aucun retour. Voilà, donc ça comme ça vous en êtes sûr. Pour me contacter, c'est à dire que c'est pas forcément chanteur chanteuse, ça peut être des gens qui ont n'importe quoi, ça peut être un certain talent, je sais pas, par exemple il est super bon au foot, il fait des trucs de ouf ou des trucs comme ça. Après ça reste à voir, mais voilà, ils peuvent passer. Alors les types de pubs, ça peut être soit sur ma page Facebook où je vais lancer un de leurs liens YouTube, ça va un peu les aider, soit voir on va dire quelque chose de sérieux, c'est à dire que quand je vois que la personne a vraiment du potentiel, et bien carrément la mettre sur ma chaîne, la vidéo. Donc ça peut être pas mal honnêtement. Et je l'avais fait au passage à 3-4 000 abonnés, ce concept là, puis je l'avais arrêté parce que j'estimais que j'avais pas une assez grosse audience tout ça. Et maintenant je pense que j'en ai une bonne grosse audience, 3-4 000 vues par vidéo, donc ça pourrait un peu aider quand même une personne qui va essayer de grandir en fait finalement dans son hobby, c'est à dire dans ce qu'il aime faire. Et je pense que ça peut être pas mal. Donc dites moi ce que vous en pensez tout ça en bas des commentaires, si vous êtes intéressé ou pas. Si vous êtes intéressé, le moyen de me communiquer c'est par Facebook, c'est à dire que vous m'envoyez un message sur Facebook, sur ma page Facebook personnelle dans la description, et vous me dites je pense que je peux participer à ton projet, et puis après vous mettez de points, voilà je fais tant, je fais ça, je fais ça, et puis après je pourrais aider. Est-ce que tu as des vidéos sur YouTube pour que je regarde un peu exactement ce que tu fais? Et puis si je regarde des fois c'est intéressant, je dis ok d'accord, allez je te donne mon Skype et puis on va se parler un peu sur Skype pour essayer de voir à peu près déjà la façon que, enfin moi j'aime bien voir un peu la personne, comment elle va penser derrière tout ça, et puis voilà voir s'il est vraiment motivé ou elle est vraiment motivée là dedans et pourquoi pas l'aider. Voilà, donc ça c'est un concept que je crée là-dessus. Deuxième chose, voilà, je suis un peu rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Facebook, sur mon mur Facebook de ma page Facebook personnelle. Et je vous y répondrai, promis, à propos de tout ça, si vous avez des questions sur ça. Donc ça, c'est mon première chose. Donc nouveau concept qui va permettre en fait d'aider des gens qui ont un certain talent mais qui ne sont pas exploités. Deuxième chose, donc je vais parler du magazine. En fait, c'est un magazine à laquelle je travaille pas avec eux. En fait, je suis juste en je suis en partenariat, pas vraiment en fait, je suis juste là en fait pour les aider, c'est à dire en fait c'est un magazine qui s'est lancé il y a plusieurs semaines et franchement il est top, c'est à dire que c'est un truc que vous pouvez télécharger gratuitement en ligne, il est pas payant, et c'est un magazine virtuel, hein, c'est pas quelque chose que vous allez acheter au bureau de tabac ou un truc comme ça, c'est vraiment quelque chose de virtuel. Et je mettrai le lien dans la description du site et du téléchargement.
Je mettrai que ça. Alors en fait, moi, pourquoi je vous fais ça? Normalement, je suis pas quelqu'un qui fait de la pub pour des sites ou pour des trucs comme ça. Je le fais jamais d'ailleurs, parce que j'estime que ça vaut pas le coup. Mais là, si vous voulez, c'est vraiment un site à laquelle ils ont pas d'audience. Un peu comme le concept que je vous dis, ils ont pas d'audience parce qu'ils viennent de créer tout ça. Mais la qualité de travail, juste au moins télécharger pour regarder, télécharger pour regarder, parce que la qualité de travail est juste incroyable. C'est franchement, d'ailleurs, il y a des professionnels qui travaillent là-dedans, parce que c'est des infographistes ou des trucs comme ça, mais franchement, le truc est super intéressant. Alors, ça va parler de jeux vidéo, ce magazine-là, qui est virtuel. Ça parle un peu de Minecraft, il y a un peu de Battlefield 4, enfin, un peu de tout au niveau du jeu vidéo, des jeux de PlayStation 4, là, ça parlait aussi de Mario Kart 8. Donc, c'est vrai que c'est un magazine plutôt ouvert, c'est-à-dire que ça va pas être concentré que dans un seul jeu, ça va être concentré un peu dans tous les jeux, un peu comme moi dans les breaking news dans les jeux vidéo. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est déjà ça donne envie de le lire en fait, comment il est foutu, il est super bien fait. Et puis c'est virtuel, c'est facile, c'est rapide à télécharger. Eux pour l'instant ils gagnent aucune somme d'argent et moi je suis pas payé pour faire cette pub là. J'ai rien en échange, c'est juste par sympathie que je le fais. C'est à dire que voilà, ce site là, si vous téléchargez, il y a aucune pub, il y a rien du tout. Donc c'est, si vous voulez, c'est pas donnant en fait. Finalement, ils sont en train de vous donner limite quelque chose qu'ils ont créé avec, à mon avis, avec beaucoup de temps, hein, c'était beaucoup de travail. Et franchement, ça vaut le coup. Donc ça, c'était à propos de ce magazine-là, que je risque d'en reparler dans une prochaine vidéo, parce que je préfère faire une vidéo complète là-dessus à laquelle je pourrais en parler, parce que finalement, en fait, c'est un peu comme dans mon concept, ils ont pas d'audience, mais ils ont vraiment un talent. Et ça, c'est comme chez YouTubeur, des fois, tu vois un YouTubeur, il fait pas beaucoup de vues, par contre, il a un talent fou, quoi. Je le vois tous les jours avec ma chaîne communautaire, où je vois des gens qui mettent des vidéos. Franchement, le gars, il commente super bien tout ça, et il fait 300 vues, 200 vues par vidéo. Et là, tu te dis, je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est la vie, c'est comme ça. Malheureusement. Maintenant, je vais parler de la dernière chose. J'essaye en fait d'être rapide, pas parce que j'ai un truc à faire. Non, en fait, j'ai rien à faire après. Mais parce que comme ça, vous faites pas trop chier en fait. Voilà, surtout avec ma vidéo. La dernière chose à parler, c'est à propos de mes dons. En fait, comment ça va marcher mes dons? C'est-à-dire que normalement, je vous ai dit chaque mois, je donnerai 50€. Finalement, j'ai changé mon principe. Ça sera, je vais donner de l'argent tous les deux mois et ça sera la somme de 100€. Donc, j'ai donné 100€ tous les deux mois. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que le mois dernier j'ai eu un petit problème en fait, parce que si vous voulez, sans vous mentir, je suis en train de devenir indépendant au niveau avec ma banque, parce que avant j'étais sous le nom de ma mère, tout ça, parce que j'avais pas 18 ans, maintenant j'ai 18 ans, donc j'ai dû faire les procédures et c'est un peu long, le temps de créer le compte, tout ça, la carte bleue arrive, nanana, et ça fait un mois de décalage. Et vu que normalement le mois dernier j'ai dû donner de l'argent, mais je l'ai pas fait parce que si vous voulez, je suis en train de créer mon truc et en fait je vais payer par e-card, je sais pas si vous connaissez, bref, on s'en fout un peu. Mais si vous voulez, en fait, vu qu'il y a un mois de décalage, maintenant je dois 100€. Donc 100€ à un don, en fait, à une association. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas donner tous les deux mois 100€ à une association. Donc c'est un peu plus gros que 50€, c'est le double d'ailleurs. Et vous l'avez deviné, hein, on n'est pas con quand même. Mais je pense que c'est mieux, comme ça 100€, c'est un peu plus gros. Et puis c'est l'argent de YouTube pourquoi je le fais, c'est de l'argent de YouTube qui sera reversé. Donc ce mois-là, il y aura 100€ qui sera reversé à l'association Croix-Rouge, parce que ça m'a été demandé. Je l'ai posé sur Facebook, ma page Facebook personnelle. Je vous ai demandé sur quelle association vous voulez que je donne 50€. Bon, finalement, ça sera 100€. Et en fait, finalement, c'est comme si je donnais la même somme chaque année. Hein. Au total, ça revient à la même chose, parce que je donne 100€ tous les deux mois. Que ça revient à la même chose que 50€ tous les mois. Sauf que je vais pas donner au même nombre d'associations. Forcément, là, j'ai donné à moins d'associations. Par contre, j'ai donné plus aux associations. Au lieu de donner 50, je leur donne 100. Donc, je trouve que c'est pas mal. Voilà, merci à vous tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, faites comme vous voulez, surtout de partager, pas cette vidéo là, mais en fait le concept que je crée, comme ça au moins vous donnez un petit nom, et puis dans l'avenir, pourquoi pas que ça marche super bien, et que voilà, en tout cas j'arrive à aider des gens. Voilà, merci à vous tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, faites comme vous voulez, et surtout de me suivre sur ma page YouTube personnelle, et puis je vous dis à la prochaine, et avec mon t-shirt Californie. Non mais franchement, aujourd'hui je suis vraiment habillé n'importe comment. C'est dimanche, hein. Dimanche matin, t'as la coupe, tu sais même pas pourquoi. T'es en t-shirt, tu sais même pas pourquoi. Je peux être en. Je devrais être tranquille là dans mon lit, tout ça. Bref, merci beaucoup, puis je dis à la prochaine vidéo. Pizza! Ça c'était, voilà, ce que je devais dire, mais en fait je l'ai marqué. Et vu que j'ai la flemme, j'ai pas marqué beaucoup. Voilà. Mais j'ai parlé quand même 10 minutes 1, 10 minutes 2.
Donc c'est bien, franchement c'est bien. Donc voilà, c'est tout. Ça fait mal au dos en fait de faire une vidéo sur son lit. Je préfère faire debout en mode what's up tout le monde, c'est Christophe Jardin, on se retrouve pour les Breaking News. Bon, je vous laisse. Peace out. Et puis voilà. Adieu. À une prochaine.